Bonjour à tous, bon réveil, merci de démarrer votre journée du jeudi 10 décembre 2020 avec nous sur Canal 3 et Actu Matin en plateau Wahab Ali Para pour le premier service de l'info dans cette matinale. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue, on va vous retrouver dans un instant. C'est acté et ça devient désormais la norme en République du Bénin. À compter du 1er janvier 2021, une nouvelle habitude. Entre en milieu de travail dans l'administration publique, travailleurs, salariés de l'État, vos horaires changent. 8 heures de travail par jour réparties comme suit. Présence au poste de 8h à 12h30 le matin et de 14h à 17h30 dans l'après-midi. La pause est de 90 minutes de 12h30 à 14h. De cette nouvelle donne adoptée en Conseil des ministres hier mercredi, on en parle au débat, revenant justement sur les raisons et l'objectif que vise le gouvernement en allant à cette réforme. C'est un sujet bien ancré dans les entreprises publiques comme privées, mais reste tout de même tabou. Ce matin, on évoque le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Il vise plus souvent les femmes. L'ONG Alcrer prend conscience du problème et travaille à l'extirper des habitudes à travers la sensibilisation, la prévention et la lutte. Elle lance 16 jours d'action contre les formes de violence faites aux femmes. En invité, on reçoit Madame Félicité Ruffin-Agbo, présidente du conseil d'administration de l'ONG Alcrer. Nous irons voir ce qu'offre le secteur industriel béninois. Une société retient notre attention. Huang Yu Bénin, installée au Bénin depuis quelques années, elle fabrique le fer à béton. Je vous souffle déjà que la matière première utilisée provient du recyclage de la ferraille récupérée et recyclée. Herbert Toyehunibou, responsable des relations publiques à Huang Yu Bénin, nous fera découvrir la société, ses offres et bien évidemment ses performances dans le domaine. Et puis juste après, votre rubrique d'Ouralex, c'est de l'ex avec Hermon Aniambousou qui reçoit ce matin Maître Liliane Amoussou, avocate au barreau du Bénin. Nous aurons des éléments sur les principes et la mise en œuvre de la médiation pénale. Merci de prendre ces différents rendez-vous. N'oubliez pas le forum de discussion juste après le bulletin de l'information de Ingrid Day et puis en fin d'édition la revue de presse avec Séraphin Assiombo. Installez-vous. Alerte. Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. L'information à la une des parutions du jour, comme tous les matins, Wahab Ali Para. Oui, rebonjour Christian, rebonjour à tous. Il y a dans les publications ce matin, n'est-ce pas, le compte-rendu du Conseil des ministres décliné chacun à sa manière. Il y a également les élections professionnelles et ces fraternités qui nous en parlent. Fraternité donc qui nous propose cet entretien avec Moudachiro Bachabi, secrétaire général de la CGTB, sur donc la gouvernance du président Patrice Talon. Je ne peux pas juger de ce que fera le peuple en temps opportun. Il est convaincu d'un autre type de leadership syndical à partir des prochaines élections professionnelles. Affaire 39 hectares de domaine à Aboumé-Calavi. Trois gros morceaux arrêtés. Victor Adimi, Bernard Zamenou et Roger Quincy-Clounon présentés au procureur ce jour. Conseil des ministres, les nouveaux horaires de travail dans l'administration publique. Information à retrouver à la page 2 du quotidien Fraternité. Suite au passage remarquable du chef de l'État à Sakété, le roi Dilasso remercie Patrice Talon et décerne un satisfecit au comité d'organisation. Info plus, horaire de travail, un nouveau rythme à l'administration publique, carrière illégale de ressources minérales, des sources d'insécurité fermées.
le potentiel, le quotidien potentiel, carrière illégale d'exploitation des ressources minérales. Le gouvernement ferme des mouroirs et sauve des vies. Changement des horaires dans l'administration publique, la dynamique en marche dès janvier 2021. La cloche, administration publique béninoise, de nouveaux horaires de travail à compter du 1er janvier 2021. Carrière d'exploitation de ressources minérales, les maires autorisés à délivrer les permis d'ouverture. Périple présidentiel de réduction de compte Cotonou, la dernière ligne droite pour le président Patrice Talon. La cloche qui nous apprend que les Cotonouis reçoivent le chef de l'État samedi prochain. Le challenge, affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, interpellé Victor Admi Serein. Tournée du chef de l'État, étape de l'Atlantique, Ouida, l'hyper apothéose, épure et aménagement des horaires de travail dans l'administration publique. Le gouvernement vise plus d'efficacité, de célérité et de responsabilité. Le matinal, la fonction publique, ce qui va changer avec les nouveaux horaires de travail. En procédure d'urgence, 20 députés demandent la relecture du code du numérique. Le code numérique. La Nation, administration publique béninoise, de nouveaux horaires de travail. Et puis microcrédit à l'AFIA, les conditions d'octroi. Améliorer stratégie de développement de la pêche et de l'aquaculture. Le Bénin s'aligne sur les normes de la CEDEAO. Le soleil levant. Pour finir, décision du Conseil des ministres. Le gouvernement améliore les conditions d'octroi du microcrédit à l'AFIA. Et puis, Patrice Talon qui promet le bitumage de la voie Ouida. Pomacé. Alada, administration publique, de nouveaux horaires de travail dès janvier 2021. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité, donc, qui nous propose cet entretien de Moudachirou Bachabi. Il est le secrétaire général de la CGTB. Moudachirou Bachabi qui s'est prononcé donc sur la gouvernance. Patrice Talan. Voilà, entretien à lire en page 3 et 4 du quotidien Fraternité, parution du jour. Vous verrez donc les réponses de Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB, ses réponses aux questions de Arnaud Doumaou du quotidien Fraternité. L'actualité, c'est aussi cette affaire de 39 hectares de domaine dans la commune d'Abomey-Calavi, trois gros morceaux arrêtés. Écrit ce matin, le quotidien Fraternité, Victor Adimi, Bernard Zamenou et Roger Quincyclone ont présenté au procureur ce jour dans cette affaire. Et puis on reviendra au forum de discussion sur cette décision du Conseil des ministres dans l'administration publique. Les horaires changent désormais. On va en parler et il faut préciser que c'est à partir du 1er janvier 2021 que la réforme entrera donc en vigueur. Des précisions au forum de discussion avec les débatteurs ce matin. Wakhavali Para, André Dossa, Herman Anyamoussou et Akime Selou Ousseni déjà en place. Bonjour à vous, Ingrid, bienvenue. Bonjour Christian, merci. Bonjour à tous. On parle encore ce matin de la tournée de reddition de compte du chef de l'État sur le territoire national. À la date, ce sont là les communes récemment parcourues par le président Patrice Talon. La rédaction de Canal 3 Bénin par ma voix vous fera dans quelques instants le point de ces différentes étapes. Le parti Bloc Républicain célèbre ses 2 ans d'existence. Les responsables des bureaux politiques du parti et les militants se sont donné rendez-vous pour commémorer les noces de cul du cheval gagnant. Ils ont à l'occasion réfléchi sur le chemin parcouru, l'expérience capitalisée et surtout les défis qui attendent le parti dans les mois à venir. Voilà, nous entendrons quelques responsables du parti tout à l'heure dans notre mini-journal à travers le reportage que vous suivrez. La pause juste après le journal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
retrouvez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. En attendant de boucler sa tournée nationale par les communes d'Abomey-Calavi demain en début de soirée et puis Cotonou samedi en début de soirée de même, le président Patrice Talon était à Alada. On parle donc de cette étape ce matin après avoir décortiqué les différents mots qui minent la filière palmier à huile. Le chef de l'État a annoncé les grands projets en cours pour booster ce secteur. Nous allons l'écouter, c'est juste après le maire d'Alada. Le bitumage de la route Ouida, Pamassé-Alada, est au goût de Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. La construction du musée Toussaint Louverture et l'aménagement de la place Toussaint Louverture d'Alada. L'éclairage public au niveau des deux dépressions d'Alada. Nous avons commencé il y a 5 ans bientôt à prendre notre pays en main. Nous avons pris un pari. Vous savez combien je porte Alada dans mon cœur. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile, les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors, il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. Et voilà, nous étions donc à Alada, un peu plus loin, dans la commune de Tofon. Le chef de l'État s'est également rendu dans cette localité où il a été accueilli par les populations, Ingrid Baird. Oui, Christian, les différentes actions menées dans cette commune et celles en cours sont entre autres les questions abordées au cours de cette rencontre. Patrice Talon invite par ailleurs les citoyens à défendre les biens communs. Suivons. Les Tofonous, naguère, s'alimentèrent de promesses et s'abreuvèrent d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofon, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofon, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Huegbo, les travaux de modernisation du marché de Huegbo, la construction d'un stade omnisport de Tofon,
dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays, très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Le président de la République poursuit toujours son périple sur le territoire national à ce stade de la tournée présidentielle. L'exercice de reddition de compte du chef de l'État reste le même. Nous sommes ici dans la commune de Zé. À travers cette initiative, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez une fois encore de marquer la rupture. En effet, avec votre accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016 et le lancement le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le Bénin s'est résolument engagé dans l'ère des grandes réformes, mais aussi des grandes réalisations jamais enregistrées depuis la cession de notre pays à l'indépendance en 1960. Je vous invite maintenant à suivre un nouvel épisode du point de la tournée de reddition de comptes du président Patrice Talon. C'est avec le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. L'étape d'aujourd'hui nous a révélé un président de la République pédagogue de l'économie de développement. Le président de la République a montré comment la mise en place et la planification des différents progrès permet d'arriver à améliorer les conditions de vie des Béninois, à obtenir le plein emploi, la création de richesses, donc la création d'usines, l'industrialisation de notre pays qui requiert des préalables pour lesquels des efforts ont été faits. Sans eau et sans eau potable, pas d'industrie. Sans route, pas d'industrie, pas d'économie. L'électricité, n'en parlons pas. C'est pour cela que le président de la République, dans son programme, accompagné par le gouvernement, a d'abord engagé ces préalables qu'il a résumés et qu'il a considérés comme la première pierre du développement économique, industriel de notre pays, le Bénin. Et pour cela, il a magnifié les efforts de ses compatriotes, des Béninois, en réaffirmant une fois de plus sa fierté d'être Béninois. Nous n'avons pas eu de pétrole, nous n'avons pas eu d'or, c'est le travail, le sacrifice, les efforts d'un État pauvre qui permettent d'évoluer. Et le président de la République a une phrase très très forte en disant que le pauvre qui s'acharne finit par sortir de la pauvreté. À l'inverse du pauvre qui se vautre dans sa pauvreté, finit par être dans la misère. Donc, pauvres nous sommes, mais travailleurs organisés avec un leadership éclairé, nous parvenons à nous transcender et à porter les efforts de modernisation, d'industrialisation et de développement que, sous son leadership, nous sommes en train de gagner. Nous sommes donc des Béninois de type nouveau qui devons changer totalement et radicalement nos paradigmes. Et c'était important pour le président de la République de revenir sur la lutte contre la corruption en demandant aux Béninois de ne plus célébrer leurs travers. Politique toujours, les responsables des bureaux politiques du Parti Bloc Républicain et les militants se sont retrouvés mardi dernier à Cotonou pour célébrer le deuxième anniversaire de leur famille politique. Occasion pour eux de faire le bilan des actions menées durant deux années de parcours. On fait le point avec Idrissou Boukari.
Deux ans d'animation de la vie politique, deux ans au service du développement du Bénin. Un anniversaire qui mérite bien d'être célébré et chanté en chœur avec un cadeau qui indique l'âge du parti. Le samedi 8 décembre 2018, le Bloc républicain a été créé dans la ville de Parakou avec la fusion de plus de 70 partis politiques et plus de 200 mouvements. En réponse aux exigences de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État Patrice Talon, avec à sa tête le ministre d'État Ablaye Buatchané, le parti met au cœur de ses actions les jeunes avec la création d'une instance adéquate, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. En effet, en deux ans, on constate que la jeunesse occupe une place de plus en plus prépondérante au sein du parti. Et ceci à travers la présentation des candidatures des jeunes aux dernières élections législatives et communales. La nomination de plusieurs jeunes cadres du parti à des postes importants de l'administration publique. Les jeunes, mais aussi les femmes. Le Bloc républicain, en deux ans d'expérience, a réussi à se démarquer de plusieurs autres partis à travers sa vision. Aucun développement n'est possible sans l'implication de la femme, d'où la création de l'organisation des femmes du Bloc républicain qui multiplie des actions pour son rayonnement. La soif d'aller encore plus loin se lie en elle. L'organisation des femmes républicaines pense que nous aurions pu mieux faire. Oui, nous avons les capacités techniques, politique, organisationnelle et humaine de faire mieux. Faire mieux en deux ans en termes de performance électorale, d'initiatives innovantes, d'actions de promotion de discipline et de cohésion interne. Mais c'est dans la cohésion, l'engagement que nous allons faire grandir ce parti. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs responsables de partis politiques qui se sont retrouvés dans le creuset, Regina souhaitait que chacun puisse oublier son parti pour consolider les bases de notre parti et nous permettre, d'ici quelques petites années, d'être le premier parti politique du Bénin. Deux ans de création, deux ans de parcours. L'expérience fut belle et riche. Et c'est le moment d'évaluer le chemin parcouru pour mieux apprécier l'avenir du parti. En seulement 24 mois de vie et d'action, le parti Bloc républicain a réussi à s'imposer sur la scène politique nationale comme l'une des plus grandes formations politiques du pays, avec à son actif des ministres, des députés, des maires, des conseils communaux et municipaux. Un bilan dont le premier responsable du parti peut en être fier. Parce que quand beaucoup parlent du Bloc républicain, quand nous-mêmes nous jugeons nos performances, on a l'impression que c'est un parti créé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous oublions qu'il y a seulement 2 ans que nous avons accepté de nous mettre ensemble. Il faut saluer cela, reconnaître que en 2 ans, nous sommes en train de construire un parti fort, un parti à la dimension de nos ambitions. Et c'est vrai que face à cela, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Le défi, c'est de faire de ce parti, effectivement, le premier parti du Bénin, le plus grand, celui dans lequel la majorité des Béninois se reconnaissent. Et pour cela, nous avons les échéances futures. Et les toutes prochaines qui nous restent, c'est les présidentielles et nous avons déjà choisi notre candidat. Donc nous allons travailler autour de cela pour dans les toutes prochaines semaines. Mais dans les toutes prochaines semaines, il y a une activité tout aussi importante qui nous attend pour la construction justement et la consolidation de notre parti. C'est la mise en place des structures décentralisées du parti. Le candidat du Bloc républicain, faut-il le rappeler, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui est invité à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le ministre d'État, Ablaye Buatchané, à cette occasion, a invité tous les militants du parti à se mobiliser pour la conquête du terrain pour que leur candidat puisse être porté au soir du 11 avril.
D'une célébration à une autre, l'édition 2020 de la Journée internationale des volontaires est marquée par la remise de dons de vivres et de matériel de protection anti-Covid aux pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie d'Atiémé. L'initiative porte la marque de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, appuyé par le programme des volontaires des Nations Unies. Geoffroy Messin. Des pensionnaires du centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, souhaitent ainsi la bienvenue à la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin, PNO, VEJ, Bénin. Une organisation dont des responsables sont ici dans les murs de l'orphelinat situé dans la commune d'Atiémé, dans le département du Mono. Nous sommes venus non seulement avec des matériels de protection pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui ne laisse personne de côté, n'est-ce pas? Mais aussi nous sommes venus avec quelques vivres que vous voyez derrière pour vous permettre aussi de passer de bons moments de fête, de fin d'année. Ce don de vivres et de matériel de protection contre la COVID-19 est fait sous la coordination de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et du programme des volontaires des Nations Unies. Il intervient à la veille de la célébration de la Journée internationale des volontaires, édition 2020. Dans la sagesse africaine, notamment dans la science d'IFA, c'est dit que le partage et la solidarité sont des devoirs sacrés. C'est avec beaucoup de joie que je peux remarquer l'engagement, la volonté que nous avons fait preuve pour répondre présent à cette activité, histoire d'apporter de la joie, d'apporter l'amour dans le cœur de ces enfants qui sont dans le besoin. Notre présence ce jour à l'orphelinat s'inscrit bien dans le partage des valeurs, la contribution à la paix, à l'assistance humanitaire et même à la résolution des crises à travers le monde. Pour le corps de la paix des États-Unis d'Amérique, le volontariat est l'un des volets les plus importants de notre partenariat et de notre amitié avec les peuples et demeure la base de nos actions. Instituée depuis 1985, la Journée internationale des volontaires est célébrée le 5 décembre de chaque année. Le thème de la célébration de cette édition 2020 est « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». Ce thème, qui vise également à sensibiliser et à mettre en valeur la contribution de l'action des volontaires et des bénévoles pour l'avènement d'un monde meilleur, reconnaît le volontariat comme un moyen efficace pour engager les hommes et surtout les jeunes à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire en situation de crise. Le centre d'accueil de protection d'enfants, la Maison de la Joie, est une émanation de l'ONG Césoria, centre de solidarité et de réinsertion des enfants en Afrique. Son responsable a présenté quelques doléances. Entre autres, nous avons le manque d'eau, criard, qui s'observe depuis un bon moment. En plus de ça, nous sommes en manque d'électrification pour permettre à ces enfants de mieux étudier la nuit et pour leur sécurisation. Nous aurons également besoin des moyens roulants et on souhaite toute bonne collaboration pour la condition du territoire des filles et des garçons. Il faut souligner que la Journée internationale des volontaires offre l'occasion aux autorités publiques et aux populations de manifester leur reconnaissance aux volontaires, mais aussi de réaffirmer les liens de solidarité qui unissent tous les volontaires du monde. Les personnes âgées de la commune d'Abomé étaient aussi en fête. Les festivités s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Le moment était choisi par les organisateurs pour réfléchir sur plusieurs thématiques. Imet Hélène Amousseau. Une
convergence des personnes du troisième âge venues des différents arrondissements de la cité des Wegbadjavi. Ces retrouvailles au centre d'intégration et d'épanouissement d'Abomey consacrent la célébration en différé dans le département du Zou de la Journée internationale des personnes âgées JIPA. Elle est instituée dans le but de sensibiliser le public sur les questions touchant ces dernières, telles que la sénescence et la maltraitance. La JIPA est célébrée le 1er octobre de chaque année. C'est une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Comme vous le savez, cette année 2020 a été marquée par la propagation de COVID-19 qui a bouleversé le quotidien des populations partout dans le monde. Compte tenu des risques les plus élevés auxquels sont confrontées les personnes âgées face à l'émergence de cette pandémie, le thème retenu pour cette année 2020 est « Repenser le vieillissement après la pandémie ». Soyez à nos côtés pour nous prodiguer les sages conseils de vie. Parce que vous êtes des bibliothèques. Vous êtes des bibliothèques que nous devons protéger. Des bibliothèques sur lesquelles nous devons veiller. Parce que, avec vous, les vertus de la vie sont là. L'édition 2020 de la fête intègre à la problématique de la vieillesse les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Avec pour thème « Repenser le vieillissement après la pandémie », les festivités ont été l'occasion de réfléchir sur la situation de ces personnes. Plusieurs communications ont meublé la séance d'Abomey. En plus de celles ayant trait à la santé et l'épanouissement des personnes âgées, il y a eu des communications particulières relatives au dialogue intergénérationnel, notamment les grossesses non désirées. Ceci pour permettre le partage d'expériences entre les aînés et les plus jeunes. Nous allons nous réunir entre acteurs de promotion de l'épanouissement des personnes âgées pour réfléchir à comment faire pour que les personnes âgées soient respectées, que ces personnes âgées soient prises en charge, et que ce soit dans le domaine sanitaire, le domaine de l'hébergement, parce que quand on va voir certaines personnes âgées là où elles dorment, vraiment ça ne les honore pas et ça n'honore pas non plus notre communauté. Donc nous allons œuvrer ensemble à tout ça. J'ai beau avoir la volonté, l'engagement, la détermination de bouger les choses, sans vous, je ne peux pas y arriver. Considérées généralement comme détentrices de la mémoire collective, les personnes âgées contribuent à garantir la cohésion sociale. Il est important de prendre soin d'elles et de les respecter pour bénéficier de leurs conseils, appuis et orientations. On reste avec Ymette Hélène Amonso pour parler d'une séance de sensibilisation au profit des commerçants des départements du Zou et des collines. L'activité est organisée par la direction départementale Zou Collines de l'industrie et du commerce. Les échanges ont porté sur le thème « Consommateurs, protéger notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de qualité ». Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines, que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent, parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que, de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs. Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes, tous azimuts. Donc il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce
organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur est déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux. Sur le terrain, les agents de la Direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Voilà, et c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Actu Matin, Christian. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée. L'information continue sur Actu Matin. Et on rappelle qu'à 13h, vous allez retrouver la rédaction de Canal 3 à travers le JT. 13h sur Canal 3, le www.canal3television.com. Des invités à prendre ce matin. On parlera des violences faites aux femmes, spécifiquement le harcèlement sexuel en milieu de travail. L'ONG Alcré, qui est désormais très actif contre le harcèlement sexuel. Félicité Rufine Agbo, la présidente du conseil d'administration de cette organisation. Elle sera en plateau juste après le forum de discussion. Toye Runibo, responsable aux relations publiques de la société Hongyu Bénin, spécialisée dans la fabrication du fer à béton. Ce matin, on parlera donc de cette société et de sa marque de fabrique. Et puis, dans Dura Lex et Lex, Herman Anyamoussou recevra Maître Liliane Amoussou. Elle est avocate au barreau du Bénin. Une série de pubs juste après le forum avec les débatteurs ce matin. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM location de voiture, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Moi, me donne des contacts, s'il vous plaît. Je sors si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs
et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Oh, comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Allez, le débat sur Actu Matin, nos échanges de ce jeudi. Akimé, bonjour. Herman, bonjour. André, bonjour. Bonjour à vous, Wahab Ali Para. Premier sujet à aborder, on va faire recours à cette décision du Conseil des ministres d'hier mercredi, après consultation, échange, une série de discussions avec ses partenaires sociaux. Eh bien, le gouvernement a acté le changement horaire dans des horaires de travail dans l'administration publique. On en parlait il y a de cela quelques semaines déjà. On ne savait pas que ça allait arriver un peu plus tôt. Akimé Seydou Ousseni. Non, ce n'est pas une question de c'est venu plus tôt, parce qu'en réalité, on faisait le débat, on élaborait à propos du fait de ce qu'une commission a été mise en place et a écouté toutes les parties prenantes à ce réaménagement des horaires de travail. Et donc, il ne revenait qu'au Conseil des ministres d'entériner ce qui a été fait au regard, je dirais, du tableau qui a été présenté, des avantages de passer donc de 8h à 12h30, une pause, et puis ensuite on reprend à 14h pour finir, je crois, à 17h30. Donc, au lieu de 18h ou 18h30 par le passé, oui, à partir du 1er janvier 2021, ça va être donc 17h30. Bon, des arguments ont milité en faveur. Moi, je veux juste voir comment ça va se passer, quels seront les impacts de ce réaménagement des horaires du travail. Parce que oui, quand je fais le point, je me rends compte qu'il n'y a que 30 minutes, je dirais en moins. On a fait avancer les éléments selon lesquels ça va travailler à revoir, donc, je dirais quoi, les bouchons, les parents sont un peu plus relax, ils vont rendre davantage. Bien d'agma qui milite en faveur. Mais moi, j'aurais peut-être espéré que ce ne soit pas jusqu'à 17h30 qu'on ait revu véritablement et de fond en comble, je dirais, ces horaires de travail. Sinon que, bon, pour l'instant, je retiens qu'à partir du 1er janvier prochain, les fonctionnaires de l'État, c'est ça, hein, en tout cas, de toute façon, vous et moi ne sommes pas concernés. Si vous avez accompagné à 7h, vous plantez ici déjà à 6h, gare à vous si vous venez en retard. Et donc, je crois que ça concerne beaucoup plus que les fonctionnaires. On voit l'impact que ça va apporter en termes de... c'est nous qui en parlons ce matin. Voilà. Non, je pense que c'est un réajustement, n'est-ce pas, qui est parti d'un certain nombre de critères, hein, d'un certain nombre d'éléments évoqués même en Conseil des ministres, en tout cas dans le compte-rendu du Conseil des ministres, l'idée qui vise donc à éviter les bouchons, l'idée qui vise à rapprocher davantage les parents, n'est-ce pas, de leurs enfants, donc créer cette chaleur qui souvent manque au sein des familles et qui a des conséquences nombreuses. Je crois qu'on fera l'expérience pour en tirer les conséquences, parce que on n'en était pas habitué. Est-ce que le problème n'est pas déplacé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire l'option des journées continues de manière directe? Est-ce que ça résout le problème? Parce que le problème d'embouteillage que nous vivons, n'est-ce pas, je l'avais déjà dit ici une fois sur le plateau, quand il s'agit d'aller au boulot, n'est-ce pas, chacun va à l'heure qu'il arrange, pourvu qu'il réponde à l'heure. C'est-à-dire que vous commencez à 8 heures, le boulot commence à 8 heures. Selon votre zone de provenance, et vous pouvez peut-être quitter la maison à 5h30, 6h, 6h30 pour certains, etc. et être à l'heure. Mais à la fin, n'est-ce pas, c'est-à-dire quand les 18h30, je parle de l'horaire en cours, en vigueur maintenant. Voilà, donc dès que 18h30 sonne, on ferme et tout le monde sort au même moment. C'est là que ça devient compliqué. Il n'y a pas X qui dit je patiente, Y n'a qu'à rentrer d'abord et autres. Vous voyez, donc c'est là. Ce sont des interprétations. Et ce dont vous parlez ce matin, Wahab Ali Para, c'est spécifique à ceux qui sont dans le sud du Bénin, notamment dans la capitale économique, Cotonou,
oui, et puis peut-être je suis tout à fait ça veut dire quoi après à 17 heures est-ce que le problème n'est pas déplacé parce que à 17h30 on va assister toujours à cet embouteillage parce qu'il y a une heure de gagner au lieu de 18h30 on sort maintenant à 17h30. Alors Herman Agnamossoul, dans son compte rendu, le gouvernement a parlé d'un certain nombre d'éléments qui l'ont amené à prendre une telle décision, justement en échangeant avec les partenaires sociaux. On parle de réalité nationale et de l'évolution du contexte sous-régional et régional. Alors finalement, le gouvernement veut-il impulser un nouveau rythme à l'administration publique en renvoyant les horaires en ces termes? Je pense qu'on a parlé d'effets positifs pour l'administration. On a d'abord parlé de favoriser une vie de famille. Je pense que ces deux éléments quand même qui joignent l'un à l'autre permettent de savoir que le gouvernement est en train de prendre des mesures pour que les enfants puissent vraiment voir leur père et mère qui sont dans la fonction publique. C'est à qui me l'a rappelé, c'est pas vous et moi. Nous, quand vous avez tout au sens en place, vous êtes obligé d'être ici à une certaine heure et de partir d'ici quand vous avez fini. Quand André Dossa vous a dit de rentrer. Alors donc pour la salle publique dont nous parlons ce matin. Non, donc vous dites que c'est vrai que l'option de journée continue pour moi était la meilleure option. Ouais, un peu comme ça se fait dans les pays anglophones. Je ne sais pas si il y a tous les pays anglophones. La plupart des pays anglophones. Hein, je pense que l'option de continuité était pour ma part la meilleure. Mais bon, comme on fait l'expérience à partir du 1er janvier prochain, on a le temps d'évaluer. Peut-être même, comme c'est un décret qui a été pris en 1984 et qui a instauré ces horaires-là, un autre décret est déjà pris. Donc, à partir du 1er janvier prochain, ce sera appliqué. Ça veut dire qu'une fois que le gouvernement va faire l'expérience et constatera qu'il y a des choses qu'on peut corriger, il y aura d'autres décrets qui seront pris également pour corriger le tir. Le gouvernement, dans la dynamique de ce qui se fait ailleurs, pour de ça. Oui, je voudrais rappeler que on peut profiter du sujet pour faire du syndicalisme sur le plateau. Non, mais vous savez, je voudrais d'entrée répondre à Wahab pour dire que 17h, 17h30 ou pas, il y a des boss, il y a des chefs de famille pour qui officiellement ça n'a pas changé. Mmh. Vous pouvez croire à madame à la maison qu'elle continue de sortir à 18h30 et après le after work, il est à la maison avec 3h, oui, tranquille, quoi, au calme. Il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, vous savez, le gouvernement fait un sondage pour prendre cette décision. Et ce sont les travailleurs qui ont souhaité que la réforme soit induite, entreprise dans ce sens-là. Contrairement, par exemple, à des gens comme vous et moi, Herman, qui aurions souhaité que ce soit journée continue pour dégager l'après-midi. Pourquoi pas pour permettre aux citoyens bénois d'aller labourer la terre, de faire des activités donc de génératrices de revenus pour arrondir un peu le mois. Mais c'est le sondage et la grande majorité des agents de l'État consultés, interrogés, ont souhaité donc que ce réaménagement soit fait de cette manière-là. Et la même étude a relevé que cette réforme va permettre une meilleure productivité des agents de l'État. On parle au nombre des conséquences, au nombre des avantages, on parle donc d'une amélioration de la croissance économique de 0,50 quelques pourcents. On nous apprend que, par exemple, la consommation de l'énergie électrique va connaître une réduction de plus de 11 milliards. C'est quand même pas petit. Ah oui, il est question également qu'à l'horizon, sous un horizon de 15 ans, que nous puissions connaître une productivité, économique et sociale de 11,9%. En fait, il y a des chiffres quand même assez intéressants qui justifient la pertinence de cette réforme. Maintenant, vous savez, toute réforme, véritablement, pour en apprécier la pertinence, il faut la mettre en œuvre et après évaluer. L'éprouver. On va voir. Si, par exemple, le fait de permettre aux agents permanents de l'État de sortir à 17h30, je crois, non, plutôt que 18h30, par rapport donc à la circulation, la mobilité urbaine, ça a une conséquence négative ou positive, on pourra apprécier. Également, est-ce que vraiment les parents, parce qu'on leur a offert une heure en début de soirée, est-ce qu'ils sont vraiment présents
dans la vie de leur famille. Est-ce que, puisque c'est l'une des conséquences positives espérées, c'est qu'il y ait un meilleur encadrement des enfants à la maison, qu'il y ait beaucoup plus de loisirs et que les parents soient présents à la maison. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est moins stressant désormais pour un individu de travailler pour l'État ou le contraire, ainsi de suite? Je crois qu'avec le temps, on pourra apprécier. Et là, on va savoir ce que vraiment c'est une bonne décision qui a été prise en ce moment. Alors, on cherche à qu'il y ait une certaine efficacité, un certain rendement en milieu de travail, surtout dans l'administration publique. Mais est-ce que ça va corriger le fait que les travailleurs devront être véritablement au poste et travailler véritablement pour que tout ce que André Dossa a rappelé tout à l'heure en matière de gains économiques, de gains en énergie et autres, que nous puissions l'avoir? De toutes les façons, moi, je veux être sur cette réforme, je veux être un Saint Thomas. Ça va se passer comment? Est-ce que je vais passer de l'administration à l'administration pour constater que ça impacte, parce que ce n'est peut-être pas évident? Mais les échantillons qui ont été interrogés dans le cadre du travail qui a été fait et qui a abouti à ce réaménagement, je ne sais pas si nos enfants ont été mis à contribution, parce qu'on dit d'être plus proche des enfants. Et la plainte ne peut venir que des enfants, ce sont les plus concernés. Les parents vont prétester de ne pas être aux côtés des enfants, alors même si on leur donnait l'occasion, ils n'auraient peut-être pas été aux côtés des enfants. Donc je me dis que oui, ça va gagner en énergie. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été évalué, quels sont les éléments qu'on a mis bout à bout pour constater que quand on soit à 17h30, on gagnera d'ici combien de temps? 11 milliards. Non, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que je me dis, c'est quand même 8 heures. On n'a fait que déplacer. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on finisse à 18h30, on vous dit, bon, vous prenez une pause. Et de la pause, vous ressortez à 17h30. Donc, l'agent qui a pris l'habitude de laisser la clim dans le bureau de 8h à 18h30, va l'utiliser désormais de 8h à 17h30. Et l'heure de la pause aussi va davantage l'utiliser dans l'autre des cas. Donc, non, là, la pause, elle est réduite. Hein, elle est passée de 2h30 minutes à 1h30. À 1h30. Donc, on utilisera moins l'énergie au cours de la pause. C'est-à-dire que c'est sur cette base qu'on en est arrivé à évaluer jusqu'à 11 milliards. Certainement que oui. Mais de toutes les façons, janvier 2021, c'est pas loin. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Donc, dans 3 semaines, déjà, vous voyez un changement d'habitude un peu compliqué pour les travailleurs. Je ne vois pas. Je comprends le scepticisme de Hakimé, mais je voudrais lui recommander de lire l'étude. Enfin, on parle d'une étude. Oui, tout à fait. C'est une étude donc, qui a été faite et nous ne pouvons apprécier l'étude qu'en tenant compte des éléments d'appréciation que les sondeurs ont utilisés. Puisque il est question, je crois qu'ils ont associé les partenaires sociaux à ça. Des mesures d'accompagnement étaient également proposées. Lorsque moi j'ai parcouru un peu les documents, j'ai pu noter que, oui, parlant de changement d'attitude, on annonce la création progressive de crèches dans les quartiers administratifs, dans les loin des structures administratives. Pour permettre, n'est-ce pas, à la nourrice qui est agent permanent de l'État de déposer son enfant, vous savez, on n'a pas forcément. C'est vrai, il y a une certaine classe moyenne qui se développe et qui, n'est-ce pas, développe certaines habitudes. La question donc de crèche ou de garderie, on n'est pas nombreux au Bénin à vraiment utiliser ce moyen-là, mais ça va sans doute, ça va aller crescendo puisqu'il est indiqué en termes de mesures d'accompagnement, une création progressive des crèches. Il est question donc de créer également dans les espaces de travail des cantines. Donc avis à ces dames, bonnes dames qui aiment donc servir de bons plats, de bons mets. Appétissant aux travailleurs. Désormais, c'est officiel, pour les directions, les structures, les ministères, il y aura des cantines. C'est déjà le cas pour certaines structures. Oui, je crois que ça va être beaucoup plus formel maintenant. Et n'oubliez pas, lorsque donc, les travailleurs sont obligés de passer peut-être une heure de repos entre midi et deux, il sera difficile d'aller à la maison, donc ils vont rester sur place. Je crois que ça va ouvrir, ça va offrir une opportunité extraordinaire au syndicat des femmes battantes. Là, vous savez, nos jeunes dames qui, bon, n'ont pas réussi à se caser, qui se développent des commerces sur WhatsApp, préparent à manger, vont livrer. Et je ne dis pas ça pour stigmatiser, mais il y a beaucoup d'autres aussi, de jeunes filles, mais peut-être même mariées, qui font ça. Et c'est très rentable. Et c'est vraiment, c'est très utile, très pratique. Ça va développer donc un autre secteur économique. Bon, il n'y a pas que les femmes battantes qui le font. Il y a tout ça pour essayer de faire des émissions. Ça va offrir une opportunité extraordinaire pour cette PME qui se développe chez nous. Et, vous voyez, donc, je crois qu'il faut expérimenter avant de dire. Bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas pertinent. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, même si quelque part, un petit peu, j'aurais sur ma faim, parce que je voulais continuer de mon point de vue, ça aurait donné plus d'opportunités, parce que dans l'après-midi, si vous n'avez pas de 15h, 16h, comme dans certains pays,
Pourquoi, qu'est-ce qui va vous empêcher d'entreprendre des activités génératrices de revenus? D'accord? D'avoir une petite ferme et dès que vous quittez le boulot, vous allez rapidement à Djidia ou bien je ne sais pas, à Torino, aussitôt, ainsi de suite. En tout cas, expérimentons, puis on pourra apprécier. Voilà, un changement d'habitude à venir pour les travailleurs. Vous les voyez s'adapter au fil du temps, Herman? Donc, quand vous parlez de changement d'habitude, nous parlons aussi de l'administration publique. Et c'est vrai, quand vous lisez le compte rendu du Conseil, vous dites, il est dit par exemple que le ministre du Travail, la Fondation, ainsi que les autres ministres sont instruits de veiller au respect scrupuleux par les agents. Je me demande si, vous savez, nous sommes dans le centre lubénoise où généralement les heures qui suivent là, quand ils finissent leur les heures supplémentaires, voilà. les heures supplémentaires sont souvent la chose la mieux partagée. Et donc je me demande comment tout cela pourrait être fait. Changement d'habitude, oui, sans doute. Mais bon, pour celui qui finit le boulot à 18h30 et qui doit finir dès le 1er janvier le boulot à 17h30, je ne sais pas si ça vraiment ça change vraiment les habitudes. Ça ne fera que déplacer un peu le bouchon de clavier en espérant, bien sûr, que le projet de contournement nord puisse être réalisé, donc que ça puisse aider à éradiquer le phénomène de bouchon sur Calavi et tout. Je pense que bon, il est bon d'expérimenter, on verra bien. D'accord, l'expérimentation, ça va démarrer à partir du 1er janvier prochain. On verra bien comment les travailleurs vont entrer dans cette nouvelle dynamique. Allons voir un peu ce qui se passe au niveau de nos ressources minérales. Le Conseil des ministres d'hier est revenu également sur l'exploitation des ressources minérales et parle d'exploitation illégale. Apparemment, il y a des personnes ou des entreprises qui se sont installées sur des domaines et exploitent ce que nous avons comme ressources minières. Wahab Ali Para. Oui, je crois que c'est une vieille pratique, ce n'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui et elle a ses conséquences. C'est peut-être au regard de ses conséquences, au regard des désastres, des effets néfastes qu'on a constaté, que le gouvernement a donc décidé d'appuyer sur stop à l'effet donc de réorganiser ce secteur, On a enregistré des cas de mort sur des carrières d'exploitation de sable à Djoubou. On a des effets, n'est-ce pas, à Kokotomé-Zunga. Ça, c'est dans l'arrondissement de Godomé, où, c'est vrai, ça fait partie des carrières qui ont des conventions, mais le respect des normes pose véritablement problème. C'est-à-dire qu'on pompe le sable suffisamment que ceux qui sont des voisins immédiats, n'est-ce pas, ont leurs bâtiments qui sont fendillés par endroits et qui s'affaissent. Les heures d'exploitation ne sont pas respectées, ce qui fait qu'on vient jusqu'à 2 heures du matin, en tout cas pour le cas où nous sommes allés filmer, parce que la population, à un moment donné, la population de Kokotomé-Zunga, donc s'était soulevée et qu'on est parti, jusqu'à 2 heures du matin, heure où les gens, la population devrait dormir, on continuait avec les machines et autres à exploiter ce sable-là. Et ça emmerdait les populations. Vous avez le même cas, n'est-ce pas, quand vous allez à Zunga. Ça, c'est dans la commune d'Aboumé. Vous allez à Gassa Godomé, vous avez les mêmes choses. Donc, il s'agit de revoir si ces sites-là sont des sites d'exploitation autorisés, respectant les normes qu'il faut. Vous n'allez pas trouver. En tout cas, il y en a qui ont peut-être l'autorisation, mais le respect des normes environnementales pose un véritable problème. Les cas de mort, les ennuis et nuisances que cela crée pour la population est un véritable problème. Et je crois que c'est ce qui a attiré l'attention du gouvernement qui a donc décidé d'appuyer sur stop. Oui, André de ça, il fallait y mettre fin maintenant et tout de suite. Ça, dans cette filière, il y a une grosse pagaille qui régnait. Dans ce pays, comme la plupart des pays au monde, les ressources naturelles, les ressources minières appartiennent à l'État et non à des individus. Mais il est loisible de constater qu'en dehors même des espaces que les structures ou les collectivités locales accordent à des structures d'exploitation, il y a des individus qui prennent, n'est-ce pas, un bout de terre, une parcelle, et puis quand ils soupçonnent
quelques gisements en dessous, ils se mettent à exploiter allègrement, quoi, sans se soumettre à aucune réglementation en la matière. Je crois qu'il était temps d'agir et mettre un peu de l'ordre. Je crois qu'il est aussi question désormais, il existe des instruments juridiques pour encadrer la gestion des ressources minières. Comment le partage se fait, qui doit exploiter, ainsi de suite. Je crois que tout ça, là, aujourd'hui, a été formalisé et il faut agir maintenant très vite pour que les nuisances qui continuent, les nuisances dont sont victimes certaines populations, on en a cité suffisamment en ce moment, enfin, dans sa prise de parole, et il faut que l'État rapidement corrige ça. C'est que le ministre Sam Sebou Adambi avait annoncé à l'époque, sur certains de nos plateaux, un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour mettre de l'ordre. Il semble que malgré tout, ça a quand même un peu perduré. Aujourd'hui, si le gouvernement veut agir, il faut saluer cela et espérer que vraiment les actions à soient posées et que les gens, tout soit, la population soit. Le gouvernement qui veut agir, le gouvernement qui veut également instituer des brigades mobiles de contrôle chargées donc de faire appliquer la réglementation en vigueur en République du Bénin, mais à côté, la responsabilité est désormais confiée aux maires de nos communes. Oui, c'est parce que c'est toute une chaîne. La réglementation en question ne date pas d'hier, ne date pas d'avant-hier. Elle est vieille, bien entendu. Et depuis tout le temps, eh bien, on a constaté que les autorités sont restées soit complices de ce qui se fait, des ennuis que vivent les populations, des désastres causés par l'exploitation de ces différentes carrières sur l'environnement. Wahab a cité il vous arrive une fois de faire un tour à Permain pour constater comment est-ce qu'on exploite l'or dans cette localité. Franchement, c'est un désastre écologique qui ne dit pas son nom. Mais alors, et tous les ministres se sont succédés. Moi, j'ai la chance de voir succéder dans la zone de Tchantangou, c'est dans l'arrondissement de Permain, plusieurs ministres qui sont venus et qui d'ailleurs même ne maîtrisent même pas comment est-ce que c'est exploité, je dirais, cette richesse minière-là. Alors même que, eh bien, a priori, elle appartient, cette richesse, à l'État béninois. Mais bien malheureusement, c'est un nomasland. Quand vous y allez, vous voyez comment ça se passe. Franchement, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Moi, j'ai eu la chance de tourner plusieurs sujets là-dessus. Des morts d'hommes, on en dénomme, ça c'est une réalité. Le désastre dont il parle, si on arrivait à remonter les archives, vous verrez que si on devait nous les proposer, franchement, quoi, vous demanderez si c'est dans notre pays que ça se passe. C'est pour dire en gros que c'est une véritable machine qui est mise en place. Et même les responsables chargés de ces différentes structures, c'est-à-dire que les structures déconcentrées, décentralisées du ministère des Mines, eh bien, sont bien de connivence avec les exploitants de ces différentes carrières-là. Je vais vous expliquer. Parce qu'ils y tirent aussi des profits. Qu'est-ce que vous dites comme ça, là? Aujourd'hui, je ne sais pas si Adami peut peut-être relever le défi. Vous ne trouverez aucun ministre des Mines qui vous dise quelle est la quantité d'or qui quitte la zone de Perma. Ok. Je les mets tous au défi. Vous n'en trouverez pas. Parce qu'ils ne contrôlent pas. Parce que, eh bien, leurs agents sont sur le terrain et c'est eux qui gèrent ces différentes carrières. Donc, je vais espérer qu'en disant, eh bien, maintenant, c'est fini, c'est terminé, bien entendu, qu'on a pris toutes les batteries, qu'on a mis tout en place. On a huilé la machine pour que ceux qui iront au travers des dispositions qui sont mises en œuvre soient donc punis à la dernière rigueur. Autrement, je crois qu'on va se retrouver encore ici trois mois, quatre mois plus tard pour dire que le stop là, c'était juste un stop de façade et que ça n'a pas été. Donc, en le faisant, c'est sûr que le ministre Adambi a véritablement travaillé. On a mis en place toutes les structures compétentes pour que véritablement on mette un terme à cela. Parce que les conséquences sont. On va écouter. On a besoin de la parole. Il fait bien de mettre l'accent sur cette activité d'empaillage sauvage à Permain et environ. Ça fait des décennies que ça a duré. Aucun gouvernement n'a réussi vraiment à y mettre, aucun gouvernement n'a pratiqué. En plus d'ailleurs, c'est vrai, c'est une attitude informelle, mais dangereuse pour la population. Il y a souvent des morts parce que parfois ils utilisent des substances nuisibles à l'organisme, le mercure, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Cette connivence que vous avez relevée, on sait qu'aujourd'hui, depuis un moment, le sable marin, il n'est plus permis d'utiliser le sable marin pour construire. Mais ça se fait, ça continue de se faire. Parfois même, vous allez ça sur des chantiers officiels où on voit les entrepreneurs utiliser le sable marin alors que c'est interdit. Lorsque le citoyen voit ça, alors qu'on lui a dit que c'est interdit, quelle attitude voulez-vous que ce citoyen-là ait? Je crois qu'il faut mettre de la rigueur dans la mise en œuvre des mesures qui sont prises.
quantité de mesures ont été prises par le gouvernement successif. Et on a observé que dans la mise en œuvre, souvent, c'est la même personne qui sont chargée de le mettre en œuvre qui est à les contourner, à les violer inviolablement, comme le dirait l'autre. Donc vraiment, il faut mettre des mesures, mais encore faudrait-il les mettre en œuvre avec beaucoup de rigueur pour mettre fin à la pagaille. Vous parlez de rigueur, oui, il faut mettre fin à la pagaille, oui, il faut réorganiser le secteur, oui, il faut se conformer à la réglementation, nous sommes d'accord. Mais la conséquence sur le consommateur, Herman Aniambosu, celui qui a besoin par exemple de salles pour construire, celui qui a besoin de gravier pour construire en ce moment, avec les carrières qui sont fermées depuis plusieurs mois déjà, il y a une certaine flambée du prix du voyage de camion. Oui, et ça sert à quoi de construire une maison quand vous savez qu'après construction, la maison risque de s'affaisser parce qu'ailleurs, on est en train de prélever du sable, ailleurs on est en train de prélever du gravier, ailleurs on est en train de prélever des choses, on laisse pas sauvagement les sites parce que justement, n'oubliez pas, la terre est ainsi faite. Rien de supplémentaire sur la terre. On prend le sable, ça se transforme, ça construit des maisons. La terre est tellement équilibrée que tout ce que nous prenons sur la terre, c'est ça qu'on utilise pour construire encore. On n'ajoute pas autre chose. Ce qui se fait, c'est un peu compliqué, vous savez. Par exemple, quand on prend le cas de la zone de Dekoumbé, avec cette exploitation de sable dans la zone, on parle de sable de bas ou bien de sable de bas fond et tout. Mais quand vous allez dans la zone, il y en a qui vous montrent un peu le niveau d'affaissement de leurs habitations. Est-ce qu'on a associé un peu à cette exploitation-là des environnementalistes, par exemple, pour voir quelle étude d'impact environnemental de l'exploitation de cette carrière-là sur les maisons qui sont dans la zone? Je ne suis pas sûr que le fait que les autorités aient associé des spécialistes de ce genre pour qu'on évite ce qui se passe sur le terrain. Alors, quand on demande aux maires, on responsabilise les maires pour désormais délivrer les autorisations d'exploitation, je veux croire que les maires auront à leur côté des spécialistes en question de l'environnement, des spécialistes en géo, en n'importe quoi, je dis n'importe quoi, pour pouvoir les aider à prendre des décisions utiles. Parce que justement, quand vous avez des populations qui construisent leurs maisons et que c'est au bout de 5, 10, 15 ans qu'on constate que les maisons, ça fait au fur et à mesure, je pense que vous ne gagnez pas l'estime de ces populations et vous n'auriez rien fait pour sauver ces populations de ces différentes situations. Oui. Voilà. Mais ce qui est déplorable, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus les carrières clandestines. Ça veut dire qu'elles n'ont reçu aucune convention et rien du tout. Parce que comme je vous ai dit dans ma première prise de parole, il y a au moins des carrières, n'est-ce pas, un peu comme ce que j'ai cité à Cocotomo-Zunga, qui disposent d'une convention. Mais est-ce que les normes environnementales sont respectées? L'exploitation sur un domaine, un site retenu, n'est-ce pas, pour être ou un site qualifié de carrière de sable où il faut exploiter, on doit pouvoir savoir sur combien d'années on fera l'exploitation. Quelle quantité de sable on peut exploiter sur ce site-là pour éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des conséquences sur ceux qui vont s'installer après ou bien ceux qui étaient déjà installés dans les environs avant l'exploitation de ce site-là. Tous ces détails-là manquent souvent. Et donc, à côté, il y a, comme je l'ai dit, des sites de carrières de sable qui n'ont reçu aucune autorisation. Ce que le gouvernement même a qualifié de sites clandestins. Et il y en a beaucoup. C'est ça qu'il faut répertorier, c'est ça qu'il faut dénoncer et mettre davantage la population. Je voudrais croire que le gouvernement, parlant de sites clandestins, n'est pas en train de... est juste en train de nous couvrir parce que généralement il n'y a pas de site clandestin dans le pays, soit le maire est au courant ou tout au moins le conseiller communal, le chef d'arrondissement, il perçoit des tâches. Je pense que c'est tout n'est pas. Il y a même des communes où pendant la campagne électorale le candidat promet des carrières à des gens pour avoir leur soutien, à de grands électeurs pour avoir leur soutien. C'est vrai, il y a même plus de carrières clandestines que d'officiels. Maintenant, il ne faut pas que la brigade mobile se transforme en des postes avancés de douane ou au lieu de l'exploitation régulée. Ils auto-régulent eux-mêmes de façon à se prolonger les babules. Merci. C'est important. Merci à vous, mon cher monsieur. C'est un message par rapport à notre premier panel. Oui. Ça vient d'un des syndicats. Puis on a dit que les acteurs sociaux sont associés à la mesure.
Il dit que c'est une réformette parce qu'on n'a pas assez osé. Voilà, qu'on aurait pu aller plus loin dans cette réforme-là. C'est notre bien. Il continue, mais il n'a pas proposé. Peut-être, c'est peut-être à réfléchir dans ce sens-là. Donc, bon. Bon, dites-lui que nous l'avons. Le co-présentateur, il a tout. Noël, j'adore. On parlera du harcèlement sexuel avec Madame Félicité Rufina. Juste après, il y aura un expert en plateau pour nous parler du fer à béton, Toye Honibo, que nous allons recevoir, et le vous, Amana Yabosso. Voilà, on revient. Regardez pour le fer de moule. Aux enfants qu'il y a du fer à Lumbulumbu. Je ne sais pas, je ne pense pas parce qu'on a été là avec les autres. Non, c'est comment à côté de Madekali là. Il loue ou bien quoi? Il loue à Lumbulumbu. Non, le fait de ne pas parler sur la terre, c'est. Le fait de ne pas parler, c'est. Donc c'est avec le matériel recyclé. Voilà, c'est fabriqué en République du Bénin. On va en parler tout à l'heure. Il va la présentation non CV dans la présentation parce qu'il ne peut pas se présenter. Il va partir pour 45 minutes. Non, on ne va pas parler. Ah, c'est pas évident. Voilà, restez en place, mesdames et messieurs. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain. Avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. En réalisant du troisième millénaire, ça c'est un institut qui marche très bien. Il achète des parcelles, il revend les parcelles. Les gens s'intéressent et les gens viennent et les gens achètent plein de trucs chez lui, auprès de lui. Les gens n'ont jamais eu de problème quand il achète des trucs. Même s'il a il essaie de négocier, il n'a jamais de problème. Ah, je vous rassure, les nouveaux amis achètent auprès du troisième millénaire, il faut qu'il ait confiance, une très très grande confiance. J'ai intégré la parcelle depuis l'année 2000 jusqu'à ce jour. Donc sur la parcelle, nous n'avons pas un problème, aucun problème. Il fait bon vivre chez nous, à Kpawo ici. Nableweya, Ateno, Paris, France, fit debout. Arrête, on a quoi avec moi le troisième millénaire ici. Problème debout là avec moi ton roi. Et bien quand on va tout, population, tout, à dire, on va dire, go. Et au gigo, on va dire, dessous, parce que d'ailleurs, si il y a l'automéfia. Et bien, on pompe, micro de pompe, au naturel, l'automéfie. Comme la tortue, à chacun son toit, les résidences du troisième millénaire vous offrent des parcelles non litigieuses avec titre foncier. Allez, 8h13, on va parler ce matin des violences faites aux femmes avec ce combat que mène désormais l'ONG Alcrer. Madame Félicité Rufinabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'ONG Alcrer qui lance 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et principal sujet, c'est bien sûr le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Qu'en parle-t-on d'harcèlement sexuel en milieu professionnel? Merci beaucoup. On parle de harcèlement en milieu professionnel quand de votre position d'autorité hiérarchique, vous faites violence sur un agent qui travaille sous vous et qui, de fait, se trouve en position de vulnérabilité. Vous faites violence sur cet agent-là et pour obtenir des faveurs sexuelles. Donc, c'est en gros ce qu'on peut
ce qu'on peut dire en tentant de définir le harcèlement sexuel. Justement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu la pratique telle que cela se fait dans nos services, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé, quelles peuvent être les conséquences en milieu professionnel sur la victime? Les conséquences en milieu professionnel sur la victime sont multiples et multiformes, mais fondamentalement, elle perd la confiance en soi. La personne harcelée perd la confiance en elle-même parce que elle se sent peut-être sur le point de mire que tout le monde regarde parce que elle se dit que les gens ont déjà remarqué ce qui se passe avec elle. Donc elle est gênée et puis elle a pris le goût pour elle le n'a travail. Plus le goût pour le travail. Or elle en a besoin puisqu'il n'y en a pas. Si tu trouves un, il faut que tu essayes de t'arranger pour le garder. Mais donc ça ne va pas quoi. Psychologiquement, elle est désarçonnée. Oui. Psychologiquement désarçonnée, psychologiquement déséquilibrée. Voilà, déséquilibrée. Oui. Et puis bon, sur le plan social, ça ne va pas non plus. Parce que tu viens de quelque part, peut-être que tu es en couple et peut-être que les choses s'arrangent déjà pour être concrétisées. Mais quand tu vis des problèmes comme ça sur le plan, dans ton milieu professionnel, ça ne va plus de soi. Parce que ces choses-là se remarquent. Donc ton fiancé ou ton partenaire peut être au courant, et ta famille au courant. Va se dire que tu deviens indigne, plus personne n'est fier de toi, tu es stigmatisé. Bon, plein de choses que la victime vit en elle et puis avec son milieu. Voilà, est-ce un milieu professionnel, seules les femmes qui sont harcelées? Bon, dès que le problème revient sur le tapis, les hommes, certains hommes disent que les hommes aussi sont harcelés, ce que je ne leur discute pas. Mais quand on doit mettre ça sur la balance, on constate que dès qu'on parle de harcèlement sexuel, la plupart des gens se disent que c'est la femme qui est harcelée. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Y a-t-il de risques que courent les auteurs? Ah oui, mais les auteurs courent beaucoup de risques parce que, et sur le plan pénal par exemple, il y a des dispositions légales qui ont prévu pas mal de choses. Donc quand tu harcèles la victime qui se plaint et qui le prouve, parce que quelqu'un peut dire qu'une femme peut dire qu'elle est harcelée sans pouvoir prouver. Mais quand les preuves sont rassemblées, que tu harcèles effectivement cette victime-là, tu cours le risque d'emprisonnement d'un à deux ans. Tu dois payer une amende de 500 000 à 1 million. Et puis, si les preuves sont trop importantes, tu peux être radié de ton boulot, de ton service. Tout à fait. De l'administration, en tout cas du lieu où tu travailles. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous qui êtes présidente du conseil d'administration de l'ONG Alcrère, que fait votre organisation dans la lutte contre ce phénomène? D'abord, pourquoi cette lutte-là? Pourquoi cette lutte? Cette lutte, tout simplement parce que l'ONG Alcrère est dans le souci permanent de promouvoir le respect des droits de l'homme. Et donc d'éviter un certain nombre de problèmes, d'irrespect, de maltraitance de la personne humaine. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ONG a initié un projet qui a été appuyé et financé par l'ambassade du Canada à travers le DERAS, c'est-à-dire le comment je vais dire, c'est la définition, oui, non, c'est pas oui, un problème, c'est le début de la répression du harcèlement sexuel. Donc dans ça il y a tout un programme. Donc on a pensé à renforcer les capacités des femmes à pouvoir détecter rapidement le début du harcèlement et à avoir le courage de rompre le silence. Parce qu'en général, les femmes n'aiment pas parler, elles ont la pudeur, elles ont honte, et donc elles n'aiment pas en parler. Donc on renforce leur capacité à détecter et à pouvoir en parler
Parce que tant qu'on n'en parle pas, ça perdure. En dehors de ça, on a prévu un programme de suivi psychologique. Donc, on a une clinique de suivi psychologique où on a une dame psychologue qui suit les femmes victimes du harcèlement sexuel. Elles viennent à vous, par exemple. Elles viennent à vous. Oui, oui, elles viennent à nous parce que après la formation, beaucoup de langues se sont déliées. Hein. Elles ont beaucoup parlé, elles ont fait plein de témoignages sur elles-mêmes et sur leur des gens qui vivent dans leur environnement, des femmes qui vivent dans leur environnement et qui ont vécu le drame. Parce que j'appelle ça un drame, en fait. Donc, c'est ce qu'on peut dire rapidement. Et en dehors de ça, pour bien jauger l'impact du problème et tout ce que ça fait comme... ça cause comme affre dans la vie d'une personne, on a commandité une étude qui permet à chacun en ligne de pouvoir remplir un formulaire pour qu'on puisse voir quel est le pourcentage approximatif, je dis, parce que tout le monde ne peut pas remplir et tout le monde ne peut pas avoir le courage de dire ce qu'il a vécu. Donc, pour avoir approximativement le taux de personnes qui vivent ce drame-là en milieu professionnel. Et quel est l'état actuel après les recoupements, après l'étude? Oui, mais l'étude ça prend de l'ampleur, mais l'étude est toujours en cours. Donc, je n'ai pas l'intention de livrer... D'accord. Alors, selon l'ONU Femmes, le phénomène du harcèlement sexuel crée quotidiennement un environnement hostile ou offensant à près de 110% des femmes dans leur milieu de travail. À la lecture de cela, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, moi, j'ai dit... voilà l'état des lieux. Voilà l'état des lieux. C'est vrai qu'on n'a pas tous les chiffres, mais sur la base de l'état des lieux, moi, je lance un appel aux femmes. Dès que vous sentez ça, il y a des astuces pour empêcher, comme il y a des astuces pour dénoncer. Mais fondamentalement, il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut en parler autour de soi. Et puis, il faut avoir le courage de dénoncer. C'est facile d'avoir le courage de dénoncer. Bon, ce n'est pas aussi facile que ça, mais si on porte des gants par rapport à ça, ça ne finira jamais. C'est ça. Si on porte des gants par rapport à ça, ça ne finira jamais. Parce que avec la peur du « quand dira-t-on », on garde le secret sur soi et puis ça nous crée des ennuis. Parce que si tu gardes un secret, ça te ronge et puis ça dénote, ça se dénote sur ta personnalité, tu n'es plus toi-même, tu n'as plus confiance en toi-même et puis tu vis avec une peur en permanence. Alors, vous savez très bien que le chômage sévit. À côté, est-ce que vous pensez que ce sera facile pour les femmes qui viennent de gagner peut-être un premier emploi, de dénoncer peut-être leur employeur qui les harcèle? Bon, ce ne serait pas facile pour tout le monde. Mais ce que je peux dire, c'est que l'attitude de dénonciation, d'avoir la force et le courage de dénoncer, est déjà dissuasive. Parce que quand vous avez l'habitude, quand vous prenez sur vous le courage de dénoncer, vous dissuadez quand même un petit pourcentage. Vous dissuadez un pourcentage de celui qui a envie de harceler, de ceux qui ont envie de harceler. Quelque part, ça permet de réduire un peu l'impact du phénomène. Parce que tant qu'on se tait, ça prendra toujours de l'ampleur. Le monsieur va se dire, mais écoute, même si je fais, elle ne dira rien. Elle a besoin de travail. Mais j'ai besoin de travail. Est-ce que je suis venu les mains vides? J'ai un background. Si j'ai des compétences, si j'ai des aptitudes, il faudrait que ça me donne la force de dire non à celui qui tente de me harceler contre un poste. Parce que est-ce que c'est à lui que le poste appartient? Peut-être dans les structures privées. Mais même dans les structures privées, il faut avoir le courage de dire non. Parce que si tu dis non, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux gagner un autre travail si tant est que tu es sûr de tes compétences et de tes aptitudes. Lui te refuse le travail, mais tu trouveras le travail ailleurs. Alors pourquoi attendre d'être harcelé avant de dénoncer? Est-ce qu'il n'y a pas un travail que l'ONG fait en amont, histoire de conscientiser un peu les auteurs, ceux qui sont tentés d'harceler? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais toute chose a un début. Il a fallu observer
le phénomène avant de se dire non, mais il faudrait qu'on arrête ça. Vous voyez, il faudrait qu'on arrête ça. Et donc, par rapport à ça, on a initié le projet et on continue. Il y a des quelques stratégies aussi. On a fait des spots où des femmes parlent à leur patron. Cher patron, être votre agent et être sous vous ne vous donne pas le droit de me harceler. On vous tapote les seins, on vous tapote les fesses et on essaye de vous embrasser de force. Tout ça là, donc tout ça, ça fait partie des stratégies qui permettent de dénoncer et qui permettent de commencer la répression. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de nos échanges de ce matin. La suite à donner à ces 16 jours d'activisme que vous avez lancé, et puis un appel à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent en ce moment. Oui, bon, l'appel que je dois lancer, je laisse les femmes et je lance un appel aux hommes. Voilà, je le disais. Je laisse les femmes et je lance un appel aux hommes d'abord. Parce que, excusez-moi, quand les femmes et les hommes sont ensemble, il y a toujours des élans d'attraction. Mais il faudrait que les hommes arrivent à se maîtriser devant ces élans d'attraction pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Parce que si vous devez tomber sur tout ce qui vous attire, vous allez créer des problèmes sérieux. Vous allez créer des problèmes sérieux. Donc, je lance un appel à ces hommes-là que je sensibilise depuis ce plateau sur le fait qu'il faut pouvoir se retenir un peu, il faut avoir la maîtrise de soi et il ne faut pas instrumentaliser les femmes. Maintenant, j'en viens aux femmes. Mes sœurs, ayez le courage de dénoncer les gestes en déphasage avec votre dignité. Ne laissez pas les femmes, les hommes du moins, vous arracher ce que vous avez de plus cher dans votre vie. Vous devez également leur demander d'être, de s'habiller décemment. Exactement, je peux dire ça, s'habiller décemment. Oui. S'habiller décemment, monsieur le journaliste, c'est vrai. Mais vous pensez que les femmes qui se couvrent de la tête jusqu'aux pieds ne sont pas harcelées? Les hommes qui ont... comment ça s'appelle, qui ont le réflexe de dire aux femmes vous me plaisez ou bien de chercher à abuser des femmes, ne se refuse rien quand bien même vous êtes couverte de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand vous êtes couverte de la tête jusqu'aux pieds, ça peut être aussi un élément qui attire l'homme, qui cherche à voir ce qu'il y a en dessous. Parce que quand l'homme vous regarde, votre visage lui plaît. Excusez-moi le terme, vos lèvres lui plaisent, mais il a envie de découvrir ce qui est en bas. Il a envie de découvrir ce qui est en bas. Mais avoir envie, est-ce que ça suffit pour qu'on se jette sur la femme? Donc, de part et d'autre, chacun doit savoir raison garder. D'accord. Chacun doit savoir raison garder, pouvoir se maîtriser, parce qu'il y a des femmes, effectivement, qui provoquent les hommes de par leur habillement. On porte des trucs qui servent beaucoup alors qu'on sait qu'on a des fesses, excusez-moi, qui débordantes, débordantes. Donc on laisse la protubérance et de la poitrine à vue pour provoquer. Mais vous les hommes, quand on vous provoque, il faut vous retenir aussi. D'accord. Donc la sensibilisation va des deux côtés selon moi. Mmh. Il faut sensibiliser et les hommes et les femmes. Voilà. Surtout que nos hommes disent qu'ils sont harcelés aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On vous a compris, madame. Merci d'être passée, Madame Félicité Rufine Agbo. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'ONG Alcré Bénin. Vous direz bien de choses à tout ce beau monde et à son président, Martin Diotou Assoba. Merci. Très bonne journée à vous. La lutte continue. La lutte continue, vraiment. Allez, Tony Mibou, l'invité qui va suivre avec lui, on parlera de cette société Huang Yu au Bénin, le fer à béton. A plus et Canal Plus University lance Rions Plus, un appel à projet pour la production de programmes courts, humoristiques à destination des talents africains. Inscrivez-vous sans tarder pour exprimer votre créativité à travers un format moderne, original et dynamique. Les dépôts de projets se feront du 14 au 24 décembre 2020. Toutes les informations et conditions de participation sont disponibles sur le site web www.a-plus.com. Vous êtes producteur, réalisateur, résident en Afrique francophone et vous avez du talent. Alors ne manquez pas cette occasion de montrer votre savoir-faire.
Depuis quelques années, la société Wangyu Binet fabrique du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque. HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Minutes après 8h sur Canal 3 et sur Actu Matin, si vous nous rejoignez, eh bien l'émission, votre matinale se poursuit. Le second invité de ce matin, c'est Toye Nwibo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le responsable aux relations publiques de la société Wangyu Benin. Nous venons d'ailleurs de voir la pub passer à l'instant sur Canal 3 Bénin. Depuis quelques années, cette société est installée au Bénin et fait dans la production, dans la fabrication du fer à béton. Que doit-on savoir de Wangyu Benin? Wangyu Benin est une société de production de fer à béton, de fer laminé à chaud. Nous reviendrons sur cette spécificité de cette société-là, qui produit localement du fer. Et ce fer a cette particularité qu'il est de bonne qualité et que c'est cela qu'il faut pour nos édifices. Et vous savez très bien que le fer joue un rôle essentiel dans l'édifice. Il est pour l'édifice ce qu'est le squelette pour le corps humain. Voilà pourquoi il y a une attention particulière qu'il convient de porter à cette qualité de fer, au fer en général, et surtout au fer produit par Wangyu Benin depuis 2017. Depuis 2017 que la société est installée au Bénin, vous avez parlé tantôt dans vos propos de la production de fer laminé à chaud. Que doit-on comprendre de cela, de cette production-là? Voilà, le fer laminé à chaud, cela veut dire que, par opposition à chaud, c'est qu'il y a froid. Ça veut dire que c'est un fer, l'acier est pressé à une température qui va au-delà de 926 degrés. Donc vous imaginez la quantité de chaleur et cela, cette qualité de lui donner un étirement maximal. C'est ça qui fait que d'ailleurs, le fer produit par Wangyu Benin est un fer qui a cette qualité jamais égalée. Et en termes de nuance, c'est-à-dire en termes de cette capacité d'élasticité, nos fers sont à 400 mégapascal. Donc pour les techniciens, ils savent très bien que pour l'instant, nous sommes les seuls à produire ce type de fer et qui est un fer approprié, recommandé pour nos constructions. Et vous savez très bien que pour un pays comme le nôtre, nous investissons beaucoup dans le bâtiment, il nous faut avoir des fers qui puissent et supporter nos investissements. Parce qu'il ne s'agit pas d'investir et après d'avoir des soucis. Et ce sont ces faits produits par... Vous parlez justement de l'effondrement de certains bâtiments. De certains bâtiments. Parfois de la mauvaise qualité de certains fers. Du fer. Et c'est cette fonction, ce n'est pas que économique, elle est aussi sociale. Il faut éviter que les investissements partent en fumée du jour au lendemain. Et les fers produits par Wangyu Benin ont cette spécificité, cette qualité de résister au choc, d'avoir une ténacité qui permet, n'est-ce pas, de sécuriser le bâtiment. Et nous sommes très sollicités, non seulement au Bénin, mais dans la sous-région, surtout dans l'espace social de Haro. Donc c'est un fait de qualité qu'il faut forcément recommander pour ceux qui veulent sécuriser leurs investissements. Justement, vous parlez de fer de qualité, mais allons voir un peu la production. Est-ce qu'il y a un minerai sur lequel vous allez exploiter le fer, ou quel est le matériel, la matière première utilisée dans la fabrication de ce lot de fer là? Ah, voilà. Nous faisons du recyclage, c'est-à-dire que de la ferraille, nous prenons de la ferraille et puis nous les recyclons. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de laminé à chaud. Donc, tout ce qui a comme ferraille, nous les reproduisons. Vous savez que... C'est vous qui exploitez les pousseurs de tricycles qui ramassent les fers? Nous avons un éventail. Nous avons un éventail de fournisseurs divers et variés. Donc, quand les fers arrivent, nous les trions et les spécialistes les reconduisent, n'est-ce pas, dans les rubriques appropriées
pour que nous puissions avoir in fine, comme vous voyez, des faits de grande qualité et striés à la main et qui permet, n'est-ce pas, une adhésion forte au béton. C'est ça qui fait d'ailleurs que nos faits sont très recherchés et je vous le recommande d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Alors, parlons de la production. D'abord, le site, c'est où? C'est installé où? Nous sommes à la zone industrielle de Semek-Boudji. Et nous sommes installés, vous aurez l'occasion, je vais vous y inviter. Vous l'avez vu aussi dans le spot qui est passé, nous avons un grand bâtiment, nous avons des usines très sécurisées. Et qui répondent aux normes, qui répondent aux normes. Répond aux normes, et c'est d'ailleurs ça l'une de nos meilleures qualités. Et nous sommes légalistes, nous croyons à la science, nous croyons aux standards. Nous respectons les standards au niveau international. C'est d'ailleurs qui fait que nous sommes très recherchés et vous avez souvent entendu parler de Wagyu Bénin comme le fer de qualité. Donc, nos installations se trouvent à Semek-Boudji et ces installations, non seulement elles sont sécurisées, c'est qu'elles sont respectueuses de l'environnement. Vous savez que le cadre de vie et le développement durable en général sont au cœur, n'est-ce pas, de l'action de l'État béninois. Et par conséquent, on ne peut pas avoir une industrie et une usine comme la nôtre qui ne soit pas en phase avec les normes éditées. Nous sommes la société qui respecte beaucoup les normes et qui est en phase, n'est-ce pas, avec ces normes éditées, ce qui fait que nous sommes tranquilles et nous sommes très recherché. Alors, vous êtes tranquille, vous êtes très recherché, vous vendez beaucoup cher hein, à votre société. Alors, la qualité supérieure du fer, vous parlez un peu de la solidité, de la rigidité de ce fer, mais est-ce seulement ces fers aussi rigides, solides que vous produisez? Est-ce qu'il y a des fers qu'on peut plier et absolument, où, comment ça absolument. Se fait j'en viens. Nos qualités, la qualité de nos fers que vous voyez, nous avons, je viens d'expliquer que c'est chauffé à 400 mégapascal, mais en dehors de cela, il y a l'étirement. L'étirement, on peut le manipuler jusqu'à 180 degrés. Vous voyez, 180 degrés, vous pouvez le plier et le niveau est minimal, le point au-delà duquel il ne peut plus être manipulé, c'est 180 degrés. Donc vous imaginez 180 degrés, c'est un peu comme ma main, comme je vous fais là. Donc vous voyez, donc ce fait-là a la possibilité, n'est-ce pas, de répondre à toutes sortes d'architectures, à toutes sortes de conceptions qui seraient mises en œuvre par l'architecte, le ferrailleur et autres là. Donc voilà l'une de ses qualités. La troisième qualité, c'est que vous voyez bien qu'il est strié. Vous voyez, ce n'est pas marqué après, c'est en amont. C'est ça qui permet, d'avoir ces nervures que vous voyez, qui permet une adhésion, n'est-ce pas, au béton. Vous voyez, vous trouvez, c'est ça qui permet une adhésion au béton. Et cette dernière qualité, et je reviens toujours sur ça, c'est qu'il est laminé à chaud. C'est une de nos spécialités. Ce n'est pas des fers qui sont laminés à froid, c'est à chaud. Donc nous avons une grande température et vous voyez, cette température permet, n'est-ce pas, au fer, une fois pressé, de ne plus revenir à une recristallisation initiale. Donc ça nous permet, n'est-ce pas, d'avoir un fer non seulement dur, tenace, qui résiste, n'est-ce pas, au choc exogène et ça permet, n'est-ce pas, d'avoir un édifice solide et sécurisé. Est-ce que vous avez une structure de contrôle qui vient voir si tout ce que vous venez de détailler, de développer, est juste, vrai et vérifié? Absolument. Nous avons un laboratoire. Vous voyez, d'abord, quand la ferraille est arrivée, on ne se jette pas sur ça pour dire que c'est fini, c'est ça. Non, on a un laboratoire qui fait toujours les essais. Nous avons un essai de dureté, nous avons un essai de traction, n'est-ce pas, et un essai de ténacité. Donc nous avons tous ces laboratoires qui sont ce laboratoire qui est en œuvre et qui vérifie la qualité, n'est-ce pas, intrinsèque, n'est-ce pas, de la matière première que nous avons, que nous amenons, qui sont achetées avant de mettre dans le fourneau et produit. Donc nous respectons non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Parce que vous savez que l'État aussi ses normes en matière de normalisation. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, tous ces pans, toutes ces étapes sont respectées. Et ce qui fait de nous, n'est-ce pas, de notre fait, le meilleur. Le meilleur. Vous le voyez. Très bien. Alors, je vois sur le plateau là une série
de fer, ce sont des types de fer. Oui. Quels sont les types de fer que la société Wangyu fabrique, produit? Oui. Nous produisons des fers au diamètre varié. Mm. Nous produisons de 6 jusqu'à 32 mm comme diamètre. Mm. Donc ici, vous voyez, par exemple, nous avons ça, le fer de 18. C'est toujours marqué. HY20, ça c'est notre marque. Mm-hmm. Et si vous voulez prendre du fer, exigez juste cette marque. Mm-hmm. Parce que si vous n'avez pas ça, sur cette marque, c'est que vous n'êtes pas dans la qualité, vous n'êtes pas dans la certitude. Pour avoir la certitude, c'est que vous devez exiger, n'est-ce pas, un fer qui est vraiment marqué, n'est-ce pas, et aux initiales du logo de notre société, qui est HYB. Ça, c'est HYB20, par exemple. Le B, c'est le Bénin, apparemment. Wangyu Bénin. Donc, vous voyez que c'est local, c'est du plus béninois. Le site de distribution pour quelqu'un qui a besoin de se procurer. Alors, si quelqu'un a besoin de se procurer, nous avons des distributeurs sur toute l'étendue du territoire national, n'est-ce pas, de Karimaman jusqu'à Semenkpoudji. Eh bien, nous avons ces distributeurs. Et si vous voulez les contacter, eh bien, il s'agit d'appeler les numéros suivants: 97 78 78, 95 12 88 88, 67 27 77 77. Je reprends: 97 78 78, 95 12 88 88, 67 27 77 77. Merci. Merci à vous. C'est moi. Oui, Honimbo, responsable relations publiques de la société Wangyu Bénin. On ne peut pas terminer sans un proverbe sur le fer chinois. Oui, allez-y, justement. Parce que c'est une société chinoise, allez-y. De droit béninois. C'est important. Ah, oui. De droit béninois. Non, c'est pour vous dire que pour faire l'épée, il faut fondre dans du bon fer. Si vous voulez avoir d'épée pour pouvoir combattre, eh bien, il vous faut du fer de qualité. C'est ça. Et si vous voulez du fer de qualité, vous savez ce que vous allez faire. Mmh. C'est appeler les numéros et venez voir notre site de Semenkpoudji. Très bien. Le site le plus sécurisé et qui est respectueux de l'environnement. Merci beaucoup à vous, Herbert Yohimbo. Nous allons revoir en image très rapidement la pub sur cette société. Et nous autres, nous n'avons qu'à vous souhaiter très bonne journée du jeudi. Et bon retour à Wangyu Bénin. C'est moi. Depuis quelques années, la société Wangyu Bénin fabrique du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. À toutes et à tous, bonjour. En une de quelques publications du jour, l'affaire 39 hectares dans la commune d'Aboumé-Calavi et l'incarcération de quelques personnes. La tribune de la capitale note la panique générale dans le rang des anciens maires. Trois gros morceaux arrêtés, affiche Fraternité qui cite Bernard Zamenou, Roger Kensiklouno et Victor Adimi, ex-premier adjoint au maire de la commune d'Aboumé-Calavi, qui ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat de police d'Aboumé-Calavi sur instruction du procureur. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux, cession illégale de réserves administratives dans un dossier appelé 39 hectares de domaine à Aboumé-Calavi. Le journal de rappeler
qu'il s'agit en réalité d'une affaire qui a déjà conduit à la prison civile d'Abomey-Calavi. L'ex-maire Georges Bada et 10 autres personnalités, cadres et chefs d'arrondissement de la dite commune, en croit le journal qui cite des sources policières. Les 3 écoutés par la police républicaine seront présentés ce jeudi matin au procureur d'Abomey-Calavi, décidé à lutter contre la mafia foncière. Et dans la fonction publique, de nouveaux horaires de travail sont définis. Annonce au nombre de journaux, la cloche renseigne que les services seront ouverts de 8h à 17h30 avec une trente de repos dès 2021. Quotidien Le Contemporain renchérit sur la date de mise en vigueur des horaires de travail. Le Grand Matin, qui titre que les horaires de travail dans l'administration sont réaménagés, précise que la pause est fixée de 12h30 à 14h. L'événement du jour révèle que les horaires ont été réaménagés après de larges échanges avec les partenaires sociaux. Le matinal renseigne que la décision a été prise hier mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Cette mesure sera porteuse d'effets positifs pour l'administration publique et favorisera une meilleure vie de famille pour les travailleurs, selon le journal. Fraternité publie le communiqué du Conseil des ministres qui a consacré le réaménagement. La Nation écrit que le ministre du Travail et de la Fonction publique ainsi que tous les autres ministres sont instruits à l'effet de veiller au respect scrupuleux par les agents en service sous leurs ordres de ces nouveaux horaires de travail dans l'administration publique. Un Conseil des ministres duquel l'économiste du Bénin note que les conditions d'octroi de la microfinance à l'AFIA sont améliorées et les opérateurs mobiles satisfaits. Selon le journal, il s'agit du reversement intégral des frais de retrait payés par l'État au titre du microcrédit, au réseau de fourniture de services Mobile Money, de la prise en charge intégrale par l'État des frais de retrait que les opérateurs versent habituellement à leur réseau, du maintien de la commission de transfert de compte à compte tel que fixé, quel que soit le nombre de remboursements, du paiement des frais de gestion des comptes marchands fixés à 0,2% applicable aux nouvelles ressources injectées dans le secteur. Pour la Nation, l'objectif est d'améliorer davantage l'efficacité des interventions sur le terrain. Cet accord vient ainsi améliorer les conditions de rémunération des services fournis par les opérateurs mobiles ainsi que les incitations accordées au système financier décentralisé. Le Grand Matin y voit une grande innovation du gouvernement. Dans la suite, Fraternité réalise une interview avec le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, Mouda Sirou Bachabi. Le journal rappelle que le processus électoral pour la tenue de la 3e édition des élections professionnelles nationales fait l'actualité du monde des travailleurs, mais se prépare dans un autre contexte, celui des tractations pour la présidentielle de 2021. Dans cet entretien, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, Mouda Sirou Bachabi, s'exprime autant sur les enjeux de ces élections professionnelles que sur la gouvernance et le bilan de l'action syndicale sous Patrice Salon. Le secrétaire général qui confie au journal la citation « Je ne peux pas juger de ce que fera le peuple en temps opportun. » Selon le journal, il est convaincu d'un autre type de leadership syndical à partir des prochaines élections professionnelles. Et puis, dans sa publication du jour, l'économiste du Bénin se penche sur le financement des petites et moyennes entreprises, de l'énergie et de l'industrie dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine. Le journal informe que le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement vient d'autoriser de nouveaux engagements pour un montant global de 26,86 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite ce mardi 8 décembre 2020 à l'issue du 120e conseil d'administration de l'institution. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà,
pour le compte de ce jeudi 10 décembre 2020, on aura fait le tour de l'actualité telle que traitée par les organes de presse et la rédaction de Canal 3 Bénin. Chez vous, c'était votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Demain vendredi, le plateau sera beaucoup plus relax avec les débatteurs des faits de société de tous les vendredis. On aura Herman Aliambosu, Wahab Ali Kbara, Zakiat Latunji et puis un autre qui sera en plateau demain pour nous apporter donc leur réflexion sur le sujet qu'on mettra un tapis demain pour le débat. Prenez donc le rendez-vous. Et puis la page culture, c'est pour également demain matin des artistes invités qui seront avec nous pour nous égayer matinalement parlant. Merci à chacun, merci à tous. Très bonne journée du jeudi. Au revoir.